Bonjour, chers participants. Bienvenue au module 6, le dernier module donc de ce cours. Dans le module précédent, nous avions expliqué comment la pandémie de COVID-19 a rendu l'intégration continentale plus urgente que jamais. Nous avons fait valoir qu'une intégration régionale plus profonde peut aider à stimuler le commerce, à construire des chaînes d'approvisionnement régional et à favoriser l'autosuffisance régionale et la sécurité alimentaire. En bref, la ZELECAF, pour soutenir l'effort de redressement post-COVID et aider les économies africaines à mieux se reconstruire. Dans ce module, nous examinons donc ce qu'il faudrait pour que la ZELECAF fonctionne pour l'Afrique et produisent des résultats de développement tant donc promis. En ce qui concerne les objectifs d'apprentissage, on s'attend à ce que à la fin de ce module, vous puissiez avoir une compréhension donc claire de la mise de l'accord ZELECAF dans le contexte de la pandémie. De prendre donc connaissance des initiatives mises en place par l'Union africaine et les organisations donc partenaires pour soutenir et suivre la mise en œuvre de l'accord, d'être capable d'évaluer de manière critique les politiques et les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'État, de comprendre l'importance des stratégies nationales de la ZELECAF en tant que mesure complémentaire pour tirer le meilleur parti de l'accord donc ZELECAF, et enfin d'être capable de décrire l'architecture de gouvernance et des dispositions institutionnelles de la ZELECAF, et en particulier d'apprécier le rôle des comités nationaux donc la ZELECAF dans la mise en œuvre de l'accord. Alors, commençons par examiner ce qui est pour ZELECAF. Tout d'abord, c'était dit à plusieurs reprises, l'accord a été lancé lors du sommet de Niamey en juillet 2019. Le protocole commercial est entré en vigueur au début de cette année. La libéralisation des tarifs selon les calendriers convenus devait commencer le 1er juillet 2020, mais elle a été repoussée au 1er janvier 2021 en raison donc de la pandémie. Les pays autres que les pays les moins avancés libéraliseront donc 90% de leurs importations de manière uniforme au cours des 5 prochaines années. Les pays les moins avancés auront aussi 10 ans donc pour le faire. 7% des lignes tarifaires 7% des lignes tarifaires ont été désignées comme produits sensibles avec des périodes de réduction progressive plus longues, 13 ans pour les pays les moins avancés et 10 ans pour les non-paiements. 3% des lignes tarifaires sont exclues de toute réduction tarifaire. Deuxièmement, les négociations sont loin d'être terminées. Les négociations de la phase 2 ont été retardées, mais même plusieurs questions de la phase 1 restent à résoudre. Le sommet de Niamey a lancé 5 initiatives complémentaires pour soutenir la mise en œuvre donc de l'accord. C'est-à-dire, entre autres, règles d'origine spécifiques aux produits couvrant 90% des lignes tarifaires, un mécanisme de barrière non tarifaire en ligne pour la déclaration et le suivi des barrières donc non tarifaires, une plateforme panafricaine de paiement numérique qui permettra aux commerçants de régler en monnaie locale, un portail en ligne pour les négociations tarifaires restantes,
l'Observatoire du commerce de l'Union africaine qui fournira les données essentielles sur le commerce afin de suivre les objectifs et les cibles. En outre, le sommet a initié les pays membres à établir une liste de contrôle des obligations et des mesures prises pour assurer la mise en œuvre de l'accord. Parlons maintenant des politiques nécessaires pour que la ZELECAF fonctionne. Le rapport Ariane 9 propose une taxonomie de mesures complémentaires pour optimiser les avantages de la ZELECAF. Il le fait à travers le prisme d'une voie d'exportation, comme le montre le graphique sur la diapositive. Le parcours d'exportation est composé en 5 composantes, à savoir l'investissement, la production, la facilitation du commerce, les infrastructures liées au commerce et la défense des importations. Sous chaque composante, le rapport énumère les mesures complémentaires nécessaires à la mise en œuvre effective de l'accord ZELECAF. Par exemple, dans le volet investissement, ces mesures comprennent l'élaboration de plans d'investissement nationaux, la création d'agences de promotion de l'investissement, là où elles font défaut, et la création de partenariats avec les pays membres pour faciliter l'investissement. Ces mesures sont probablement abordées dans un futur protocole d'investissement. Nous vous encourageons à parcourir attentivement ce schéma et à prendre note des mesures complémentaires recommandées dans les autres domaines du parcours d'exportation. En outre, les pays membres sont encouragés à concevoir des stratégies nationales de la ZELECAF qui peuvent s'appuyer sur les mesures complémentaires. De telles stratégies peuvent servir plusieurs objectifs importants. Par exemple, elles peuvent aider à identifier les secteurs présentant un avantage comparatif, les opportunités commerciales, les contraintes actuelles et les défis émergents. Elle peut également éclairer les politiques et les mesures complémentaires nécessaires pour tirer pleinement parti de la ZELECAF. Le rapport AREA 9 décrit 8 éléments clés d'une stratégie nationale ZELECAF. Ceux-ci comprennent, entre autres, les éléments suivants. Une analyse situationnelle, une analyse SWOT, des objectifs stratégiques, plan d'action et cadre de suivi et évaluation, et enfin, un plan de communication. Il existe plusieurs questions qui ne sont pas strictement liées au commerce, mais qui sont transversales, telles que l'égalité des sexes, l'environnement et le changement climatique. Ces questions devraient recevoir l'attention nécessaire dans les stratégies nationales de la ZELECAF. On ne saurait trop insister sur ce point. Une approche participative et inclusive de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies nationales de la ZELECAF est essentielle donc pour leur réussite. Cela signifie que ces stratégies doivent être élaborées en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, y compris le secteur privé et les organisations de la société civile. Cela garantit une plus grande appropriation des stratégies nationales et créera un élan pour la mise en œuvre effective de l'accord ZELECAF. Enfin, il est important que le secrétariat de la ZELECAF et l'Union africaine veille à ce que la pandémie ne détourne pas définitivement les pays membres de la conception et de la mise en œuvre des stratégies nationales de la ZELECAF. Les architectes de la ZELECAF ont fait des efforts consistants pour s'assurer que l'accord soit mis en œuvre dans toute sa mesure. À cette fin, ils ont prévu un cadre institutionnel pour superviser la ZELECAF
et plus généralement le processus d'intégration continentale. Le cadre institutionnel de la ZELECA définit la structure organisationnelle et les lignes de rapport, comme le montre donc le tableau de cette diapositive. Je veux dire donc le schéma. L'Assemblée de l'Union africaine fait office d'organe de contrôle et fournit des orientations politiques et stratégiques. Le Conseil des ministres est la principale institution décisionnelle de la ZELECAF. Il a pour mandat d'établir et de superviser le secrétariat de la ZELECAF et les comités et sous-comités correspondants qui relèvent eux-mêmes du comité des hauts fonctionnaires chargés donc du commerce. Donc, vous pouvez étudier l'organigramme et prendre note des différents comités et sous-comités et les lignes donc de rapport. Le cadre institutionnel de la ZELECAF et l'accord ZELECAF demande explicitement à chaque pays membre de créer un comité national de la ZELECAF pour la mise en œuvre effective donc de l'accord. Le comité national devrait idéalement être créé du cadre de la stratégie nationale de la ZELECAF du pays. Il doit être inclusif dans sa composition et organisé en équipe spécialisée en fonction de leurs expertises et ou de leur intérêt. L'une des principales responsabilités du comité national sera de mettre en œuvre la stratégie nationale donc de la ZELECAF. Le comité peut proposer des mesures concrètes pour tirer profit des opportunités créées par l'accord ZELECAF et recommander des mesures pour atténuer les impacts négatifs. Alors, le voyage a été donc long, mais nous sommes enfin arrivés à la fin donc, du cours. J'espère que vous avez appris quelque chose de ce parcours. Le voyage de la ZELECAF, quant à lui, ne fait que commencer. Et maintenant que vous êtes éclairés, nous espérons que vous serez en mesure d'apporter votre contribution pour que cela fonctionne pour votre pays et pour l'Afrique. Comme c'était dit au début donc, de ce cours, on considère chaque apprenant comme un ambassadeur de la ZELECAF. On espère donc que vous serez en mesure de partager vos connaissances avec donc, vos pairs. Sur ce, merci d'avoir suivi donc ce cours et bonne chance pour la suite.